Bonjour à tous et bienvenue dans À l'aube des mystères. Nous sommes dans Lyon, toujours pour évoquer des sujets autour de la ville de Sens et rien de mieux que de s'accompagner du meilleur. Monsieur Bernard Brousse, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un gros sujet, gros débat autour de la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment, sur le début de l'occupation de la ville de Sens par les nazis, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dès les premiers jours? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand même le 14 juin, Paris est occupé par les nazis. Sens, c'est quand? Le 15. Le lendemain. Le lendemain, mais pas par la même armée, si je peux dire. Enfin, c'est les armées allemandes, évidemment, qui arrivent. Mais donc là, ils vont descendre pour arriver après vers le centre de la France, à Verdun. Ils arrivent par la rive droite de Lyon. Oui, de Lyon. Hein, parce qu'il y a à ce moment-là un moment très difficile, évidemment, pour la France. Hein. Vous savez que depuis le 6 juin, les défenses françaises là, ont été transpercées, si je peux dire. C'est donc ça arrive. On est en mauvaise posture. Mauvaise posture. Et les Allemands ont besoin de nos ponts. Il y a Sens, il y a deux ponts. Pour passer. C'est pour ça qu'ils ont sélectionné la rive de Sens. Sens, c'est toujours un carrefour. Il y a deux ponts. Un pont, qu'on appelle le pont de fer pour le chemin de fer. Oui. Et qui va de Troyes, Sens, Orléans. Très pratique pour aller vers l'ouest. D'accord. Et un pont, le pont sur Lyon, normal, si je peux dire. Deux ponts, plus exactement, de chaque côté de l'île Lyon. Donc là, ils en ont besoin pour traverser. D'accord. Mais à Sens, on a prévu les choses. Et on a mis une défense à Sens. Il y a un régiment de dragons qui est là. Il y a des canons pour empêcher les Allemands de passer. Voilà, donc contrairement à la ville de Paris où l'occupation a été un petit peu faite par surprise et avec pas énormément de combats, Sens a été une autre manière alors. Exactement, oui, Paris était ville ouverte. Oui. Sens, il fallait défendre les ponts pour essayer que l'armée française essaye de se regrouper et d'essayer de faire un autre front. Ça n'a pas marché, mais on a essayé. Il y avait des directives, hein. D'ailleurs je peux vous donner la directive là. Voilà, je te donne la directive du 12 juin au 13 juin du général Hunzinger, commandant le 4e groupe. Il demande d'établir une position d'arrêt dans le nord de Lyon, pour donner le temps à l'organisation du repli sur la Loire. Voilà. Donc il y avait une idée. Il y avait vraiment une idée. Végan avait essayé de constituer un front de Caen à la Suisse en passant par la Loire et le Morvan. D'accord. Et donc là, on était à une position stratégique. Mais évidemment, les Allemands savaient. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils savaient qu'il y avait des troupes autour des ponts, ils ont bombardé. Voilà. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça que le 15 juin, il y a vraiment des combats assez importants. On est déjà cuit, on n'a plus rien! Le premier qui sort d'ici, c'est moi qui bute! Donc on bombarde du pont. Et pas le pont, surtout pas. Non, bah non, il fallait pas détruire le pont fort. Donc c'est pour ça que ça touche un quartier qui a été très endommagé, ce qu'on appelle le bras de la Grande Rue, la partie, et l'église Saint-Maurice. L'église Saint-Maurice a été touchée par les bombes, et c'est pour ça qu'il a fallu la restaurer. La restaurer. Mais c'était un mal pour un bien, parce qu'après on a fait des découvertes archéologiques, vous savez qu'on a fait des trucs. Entre guillemets, les avantages des bombardements, ça permet de faire des fouilles. Des fouilles, voilà. Et donc, on a retrouvé un vieux chapiteau qui était à l'époque mérovingienne, qui font l'antiquité des lieux. Enfin, c'était quand même pas prévu pour ça. Oui, c'était pas... Oui, oui. Donc, les Allemands arrivent, par leur Victor Guichard, tout ça, enfin, par le Nord, quoi. Oui. Et bien sûr, ils vont affronter les troupes qui sont là. Alors, ces troupes-là étaient gérées par qui exactement? C'était le 5e régiment de dragons portés, pour être précis. Oui, donc avec 5 chars, des batteries, etc. Hé, hey, tu veux que je te dise, mon petit Wallow? Cette guerre, on va la gagner. Sans, c'est qui? Verdier, Verladen, Verlinden. Qu'est-ce qu'il y a dit? Hein? C'est moi! Ils s'installent vers les ponts pour les protéger. Et ils vont résister. D'accord. Très longtemps. Dans toute la journée. Est-ce qu'ils avaient conscience que c'était perdu ou ils avaient vraiment cette ambition de réussir à protéger Je pense. Ils avaient vraiment cette ambition. Ils avaient une mission. C'était pas vraiment encore perdu. Parce qu'il y avait un plan. Bien sûr. Nous savons. Oui, ça n'a pas marché. Voilà, ça a pas Paris marché. Était pris et alors oui. Le gouvernement était parti à Bordeaux. On pouvait encore espérer continuer. C'est un peu l'esprit du général de Gaulle. Oui, c'était pas encore vraiment perdu. Hein. C'est qu'un peu plus tard, une semaine après. C'était rapide, que tout l'armistice va être signé, etc. Vous voyez, donc les blindés arrivent, les Allemands arrivent, mais la résistance se fait. Il y a même des faits d'armes, là, par exemple, je vais vous dire qu'à
Là, on réussit à contenir les attaques allemandes, mais les Allemands ennemis réussissent à passer par le pont de fer. Mmh. Il y a quand même qui passe à la nage. Il est très en dedans. Il faisait ce qu'il pouvait. Hein. Voilà. Et les escadrons sont encerclés. Il y a un fait d'armes. Le capitaine Garnier franchit les lignes, ennemis avec la seule automitrailleuse. Il permet de dégager l'escadron, mais il est tué par un obus. Il y a vraiment de vrais combats. À Sens, c'est vraiment brutal. Alors, comment vous expliquez que Paris a été pris un peu... Non, Paris n'a pas été pris, Paris était devenu ville ouverte. Oui, c'était ville donc, ouverte. Donc, on a évité... En fait, c'est ça, ça a été un peu... Le combat a été évité, mais oui. Pourquoi cette démarche n'a pas été faite ici aussi? Mais non, parce que je dis, ça faisait partie d'une stratégie d'essayer de faire un autre front. D'accord, ok. Mais Sens, c'était un verrou. Mm-hmm. Il fallait ralentir au maximum l'armée allemande pour avoir le temps. Okay. D'établir un autre front, que nous, qui malheureusement n'a pas été assez efficace. Dans l'Aube, il y a eu des affrontements, mais c'est vrai que la démarche comme ceci n'a pas été, ça n'a pas été du tout la même. Mm-hmm. Et c'est pour ça que c'est assez surprenant de voir qu'une ville comme Sens, malgré son impact, et, voilà, a pu aussi avoir ce côté un peu plus défense. Ah oui, tout à fait. Qu'il n'y a pas eu beaucoup dans d'autres villes, c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est pour ça donc, c'est bien qu'il y avait des plans. Mais il y avait quand même, française. Voilà, c'est ça. Mais alors, lui, ils n'ont pas marché partout, j'ai l'impression. Mm-hmm. Mais à Sens, il y a vraiment une résistance assez forte, etc. Alors, donc là, ils ont, ce qu'on disait, à la fin, il y a eu des rapports de fait. Mm-hmm. Les hommes du 5e RDP ont tenu assez longtemps, de la 70e armée, d'exercer son repli sur la Loire. Et la fameuse ligne de la Loire. La ligne de la Loire. Où là, on aurait pu continuer le combat. C'était l'esprit. La Loire aurait pu faire. La bataille de la Marne, ça aurait été la bataille de la Loire. La bataille de la Marne en 14 aurait pu être la bataille de la Loire. Dans les années 40, ça s'est pas fait. Voilà, d'accord. Mais oui, mais il y avait un esprit, c'était pas fini. Hmm? Et on a toujours l'impression que ça s'écroule tout. Ben, non, il y avait encore des poches, d'accord. Il y avait quelque chose qui était prévu, mais qui n'a pas eu lieu. Oui. Alors la population parisienne, parce que je parle d'un sujet un peu nationalisé, pour que les gens puissent se situer un petit peu, c'est que la population a vécu l'occupation comme une véritable humiliation. Les Sénonais ont vécu ça comme... Alors, il faut bien savoir que ces jours-là, Paris était presque vide. Oui, c'est vrai. Et ils étaient venus sur Sens. Après, ils ont fui. C'est pour ça que si nous sommes le 15, là, par exemple, il n'y a pratiquement plus personne à Sens. D'accord, donc c'est Paris, presque une ville... Presque une ville, il reste, je ne sais pas, 800 000 habitants, 1000 à 1000 habitants, y compris les réfugiés, qui arrêtaient sur les 18 000. Vous savez qu'à Paris, il y avait un nombre impressionnant, la moitié ou les trois quarts de Parisiens étaient partis. D'accord. Alors, vraiment, ceux qui restaient ont vu défiler sans arrêt. Mais une directive à Paris, ne sortez pas dans les rues, nous défilons partout. Les armées allemandes défilent exprès pour montrer. Oui, ils ont même mis le drapeau nazi sous l'Arc de Triomphe. C'est ça. Il y en a même, d'ailleurs, une petite anecdote que j'ai trouvée marrante sur la Tour Eiffel. Il y a quelqu'un qui a cassé, en fait, l'ascenseur de la Tour Eiffel, et vu que l'objectif c'est de mettre un drapeau. Et ben l'armée allemande a dû monter les escaliers pour aller mettre son drapeau. C'est la petite anecdote. Voilà, il y avait quand même la résistance. Et justement, l'occupation, donc ça a duré quand même un certain temps, surtout à Sens. Jusqu'en 44. Voilà, jusqu'en 4 ans. Donc, les Allemands ont investi la ville d'une manière différente de d'habitude, ou il y a eu des choses ou pas du tout? Non, mais une fois qu'ils étaient ils étaient là. Ils ont installé, ils ont réquisitionné un certain nombre de bâtiments, comme d'habitude, commandant tour, etc. Donc, les lycées, etc. Ils étaient installés, ça y est, ils sont là. D'accord. Et là, pour quelques années, quelques pillages, puisque la ville était presque vide. Oui. Mais il restait quand même des gens. L'archevêque de Sens n'avait pas quitté la ville. C'est l'ami qui était là pour être le défenseur, en quelque sorte. Un peu le défenseur. Montrer le défenseur, entre guillemets, de la cité, comme aux temps anciens. Surtout qu'il larguait d'un titre remarquable, qu'il a dit aux Allemands. C'était l'ancien combattant, un héros de la Première Guerre mondiale. D'accord. Et en plus, il leur a rappelé aux Allemands qu'il était primat des Gaules et de Germanie. Oui, donc c'est vraiment la provocation. On aime bien provoquer, je trouve, à Sens. Oui, mais c'est vrai que finalement, vous voyez, d'accord. Vous arrivez d'un endroit, voilà. L'histoire, et qu'il fallait respecter les lieux. Voilà. Donc, d'accord. Voyez, là, pour cet investissement de la ville de Sens, qui ne s'est pas fait, sans combat. C'est pour ça que dans l'île Lyon, il y a un petit monument qui rappelle justement ces faits de la guerre de 1940, et qui rappelle qu'il y a eu un bon nombre de tués. Plus de 70 soldats français ont été tués à ce moment-là. Ah oui, d'accord, c'est vraiment grosse bataille. C'est une bataille, c'est vraiment une bataille assez héroïque, hein. Évidemment. L'esprit, c'était, est-ce qu'on va arriver à faire en sorte que la France puisse se combattre, c'est-à-dire la Loire, ça ne s'est pas fait. Ouais, ça ne s'est pas fait, mais tout le monde connaît justement la fin
de cette histoire avec la libération, et nous verrons ça dans un prochain épisode, justement sur la libération de la ville de Sens. Il y a énormément de choses à dire. N'oublions pas que la cathédrale de Sens a servi de prison. De prison. Pour les soldats français. Alors oui. Ils étaient enfermés quelque part. Oui, c'est vrai. Et parmi eux, il y en a un qui est assez connu, ma foi. Un certain André Malraux. Ah oui, André Malraux, bien évidemment. Oui. Un personnage était, important. Exactement. Qui était prisonnier, fait prisonnier, était un régiment de chars de Provins. Oui. Et les Allemands l'ont enfermé un certain temps à la cathédrale de Sens, qu'il évoque comme ça. Mais vous savez que Malraux a toujours de. Il a aimé enjoliver les choses. Oui, voilà, il y a une petite anecdote autour de et ça. Il a rédigé donc les lois de Wittenberg. Et quand on lit bien, on dit la cathédrale de Chartres. Mais non, il faut lire Sens. Sens, voilà. Bah oui. Donc il a un petit peu enjolivé l'histoire. Il peut arranger les choses, de toute façon. Voilà. Mais en vrai, Malraux était bien à Sens. D'accord. Puis après, donc, il a été faire un petit peu les moissons, donner des cours. Des cours, voilà. À Colmier, pardon, ici. Puis après, il trouvait que c'était un petit peu long, il a pris un train à la gare de Sens, et ainsi commence ma résistance. D'accord. Et ben, c'est une superbe anecdote avec un personnage, justement, qui a fait énormément de choses, comme, par exemple, faire des cours pendant la guerre. C'est vrai que c'est surprenant. Merci beaucoup, en tout cas. Pour toutes ces anecdotes, toute cette, on s'y croit justement autour de cette occupation, malheureusement. Mais justement, on va parler de choses un petit peu plus libératrices, justement, un prochain épisode avec la libération, comme je vous l'ai dit, dans le prochain épisode de À l'aube des mystères. À très bientôt.